Bonjour, tout au long de cette semaine, nous allons voir comment passer d'une émotion négative à une émotion positive. Et aujourd'hui, nous allons voir comment passer de la peur à l'audace. Dans Matthieu 14, il nous est dit ceci. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés. Et ils dirent, c'est un fantôme! Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage !» leur dit-il. « C'est moi. N'ayez pas peur. » Courage, peur. Parfois, on peut reprocher à Jésus de dormir au fond de la barque, et puis parfois, on peut reprocher à Jésus de marcher sur l'eau. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui décide. Jésus ne se manifeste pas toujours comme on le désire, il n'est pas toujours là où on l'attend. L'eau représente les épreuves, les crises, mais aussi le monde dans lequel on peut se noyer. Le bateau représente l'Église, cet endroit rassurant qui nous permet de passer d'une berge à l'autre. Mais Jésus voudrait nous faire sortir de la barque. Pendant que Jésus est sur l'eau, nous, on est dans la barque. Et c'est un problème pour lui. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller au contact sur l'eau? Plein de fois, les disciples se sont protégés ainsi. Quand on amène des enfants, ils disent aux parents de ne pas amener leurs enfants à Jésus. Quand ils voient la foule qui a pourtant faim, ils ne veulent pas nourrir l'ensemble de cette foule. Jésus les connaît. Jésus sait que chaque fois que ça dépasse leur entendement, ils ont peur. Mais il est important de faire le point sur nos peurs. De quoi a-t-on peur? D'abord, principe de précaution. On ne fait pas ou on ne va pas quelque part où on ne connaît pas, où on ne sait pas ce qu'on va faire. Deuxième principe, les relations. Attention, les relations sont dangereuses. Parfois, nous en avons vécu des difficiles. Parfois, nous avons été blessés. Alors, on est prudent. On ne parle finalement avec authenticité qu'avec ses amis. Comment vaincre ces peurs? Ces peurs des situations, ces peurs des relations. Tout simplement en suivant Jésus. Jésus est le maître des situations. Il nous l'a montré en calmant la tempête. Il nous le montre ici en marchant sur l'eau. Et puis, si nous avons peur des autres, c'est que nous avons parfois été blessés. Alors Jésus voudrait nous guérir. Jésus voudrait nous apprendre à pardonner. Et nous pouvons prier avec des frères pour apprendre à pardonner. Le manque de confiance en soi aussi, c'est un manque de foi. Ce que Jésus nous demande, il nous donnera la force de le vivre. En dépassant nos peurs, les unes après les autres, l'audace va émerger, au point que Pierre, à son tour, ira marcher sur l'eau. Regardons Jésus marcher sur l'eau, au lieu de regarder les événements. Il est venu jusqu'à nous et a franchi le cap bien plus difficile. Avec sa puissance, nous pouvons devenir audacieux et sortir de notre barque pour aller marcher sur l'eau.